Bon alors, on va faire des stretching aujourd'hui. En soi, j'essaye de réapprendre à faire un grand écart frontal. Avant, je le faisais bien, mais depuis que je me suis blessée au dos, j'ai hyper mal, donc c'est pas évident. Et ici, ben, ça va mieux, du coup, je réapprends à faire. Donc alors ici d'abord on commence avec un échauffement général et un échauffement des ischios. Donc si vous pouvez aller plus loin avec l'échauffement des ischios, je vous conseille de le faire. Et donc ça on fait 3 fois. Encore une fois. Et puis on attaque l'autre mouvement. Alors ensuite ici c'est vraiment l'étirement pour le mouvement du grand écart. Alors moi j'utilise un truc en dessous pour faire le grand écart. Vous allez voir que juste après le stretching, c'est mieux si vous savez pas encore faire le grand écart d'avoir soit des petits plots, soit un coussin comme ça, une saucisse comme ça pour vous maintenir. Alors ici c'est 10 répétitions sur une jambe et puis on fera l'autre jambe également 10 répétitions à chaque fois. Donc là on étire les fléchisseurs de hanche et puis on maintient 30 secondes plus ou moins. Bien respirer pour relâcher les muscles. Et puis du coup je fais l'étirement des ischios et là aussi c'est 10 répétitions. Et puis on maintiendra pendant 30 secondes. Donc voilà à quoi j'y suis avec mon grand écart. Donc c'est vraiment plus du tout comme c'était avant. Mais bon, ça va venir avec, avec le temps et le travail.